La dévastation est ce que tu retiens du monde. C'est pas ce que je pense du monde. Ou alors c'est tellement dévasté que je peux même plus penser comme ça. Je montre justement des choses qui sont cassées, abîmées. Il y a des traces, mais il n'y a pas des choses construites, finies plutôt. C'est vrai que ça m'intéresse, les cadavres un peu. Je verrai un cadavre d'un animal, je vais commencer à vouloir le photographier. Ce n'est pas la dévastation. C'est peut-être la mort, enfin, de voir la mort et de voir comment ça se passe, quoi. Parle-moi de cette tristesse qui émane de tes photographies. Ой, фу, припечик, бренда фаеру, инин штип из эс, ин дер ребел лернт клейна... Mais je peux pas en parler. Parce que je vais pleurer. Non mais c'est vrai, je peux pas parler d'une tristesse, parce que je fais tout sauf... J'ai tout l'air d'être sauf triste. Comment dire ? Quand on regarde tes photos, on a... Oui, c'est vrai, c'est triste. Un c'est gros impact de tristesse. Mais c'est plutôt triste. Ce qui est assez rare. C'est plutôt triste et nostalgique, je dirais. C'est un peu nostalgique et un peu triste. Ouais. Mais c'est pas ennuyeux. Voilà. J'espère. L'art doit être triste pour toi ? Non, mais effectivement, comme je viens de dire, peut-être quand j'étais jeune, je trouvais que c'était... J'admirais les filles qui avaient 12-13 ans, qui passaient leur temps à pleurer comme ça, brusquement. Parce qu'elles avaient... C'était vraiment triste. Et donc, je me dis, peut-être les photos que je fais sont tristes, parce que je trouve qu'elles sont plus intéressantes si elles sont tristes. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Wie bist du gewesen, wenn Geld ist gewesen, in der Nadel ist gelegen auf dich. Nein, bist du, es kein Geld ist nicht du, in das Leben ist geboren, also ich miss. Wie bist du gewesen, als die Jugend ist gewesen und das Leben ist gewesen, sicher sie's. Ein bist du, als die Huren sind ein Grupp und das Leben...
Pourquoi la notion de trace est importante pour toi? Parce que je vis dans les traces. De qui? J'ai une histoire un peu compliquée parce que je suis arrivée, j'ai eu beaucoup de morts autour de moi, c'est pour ça probablement. Donc la mort, ça sous-entend les traces après. Puisque après, dans les morts, après ce qui reste, c'est les traces. C'est les souvenirs, c'est les objets qui vous ont appartenu ou des choses. C'est plus vous, c'est un fantôme, quoi. Les traces, c'est comme des fantômes. Hein. Tu essayes donc de retenir quelque chose? Non, pas de retenir, c'est plus que ça même. On est entouré que de traces, quelque part. Donc c'est pas que je retiens, c'est que ça qui reste quand on part. Après, c'est les traces de notre passage, quoi. C'est les traces, enfin, c'est des objets qui nous ont appartenu, des parfums, des images, mais qui sont pas vraies, pas réelles, quoi, puisqu'on n'est plus là. Je ne sais pas retenir, c'est habiter dedans, enfin, être dedans, dans ces traces. Donc c'est pas retenir. Est-ce que dans la nostalgie, il y a toujours des traces? Ah oui. Il y a un petit regret quand même. Il y a toujours des traces. Bien que je viens de te dire que dans la trace, il ne faut pas qu'il y ait une notion de retenir. Parce que dans la notion de retenir, il y a peut-être la notion de regret. Parce que dans la notion de retenir, il y a la notion de regret. Parce que dans la photo, il y a le désir de conserver tout de même si c'est l'éphémère, si c'est l'instant ou quelque chose qui arrive par hasard. Là, il n'y a justement ni hasard. De toute manière, je ne pense pas au hasard. Ça n'existe pas, le hasard. Non, pas pour toi. Ben, pour personne. Je ne sais pas. Ça a l'air d'être un hasard, mais en réalité, ça arrive au moment pile-poil comme il faut. Ces Roms, à Ivry, t'ont-ils appris quelque chose sur toi? Non, mais c'est peut-être, je suis chez eux, parce que c'est l'aboutissement, justement, d'une réflexion par rapport à moi-même, d'un résultat sur le travail que j'ai fait sur moi par rapport à mes origines, et arriver à pouvoir être parmi eux, ça veut dire que j'accepte certaines origines que j'ai, que j'accepte que... Donc, c'est un aboutissement, mais ça ne me révèle pas. Non. Parce que c'est le résultat d'aller chez eux, c'est le résultat d'une ancienne révélation. Enfin, je commence à être à l'aise, quoi, dans ce camp. Je commence à me déplacer dans des endroits où je ne connais pas très bien. Tu comprends? Tu commences à trouver un peu de liberté, ouais, de mouvement, ouais, de... C'est ça. Tu oses, tu commences à oser. Voilà, c'est ça. Avant, j'étais un peu coincée, quoi. Je restais à côté un peu, comme ça. Je parlais, mais... Je parlais avec les gens, ils me racontaient leur histoire, mais après, je m'éloignais pas trop. Là, je vais même dans des endroits où je connais personne, et tout ça, et puis le lien se fait, puisque je suis plus à l'aise. Tu as l'impression d'être une intrue? Ah non, plus maintenant. Mais un peu quand même, parce que... comment dire... non, c'est pas le mot intrus, mais j'ai l'impression d'être étrangère à eux, quoi. Oui, ça, et tu le font sentir? Comment est-ce qu'ils te reçoivent, alors? Est-ce qu'ils aiment parler d'eux? Oui. Mais d'abord, ils me disent, mais alors, t'es roumaine? Alors, je dis non. Oui, je suis roumaine, je suis née en Roumanie, je suis venue à l'âge de 5 ans, mais je suis française. Qu'attends-tu de la mémoire? Je te regarde pas en posant la question. Ce sera plus facile. Est-ce que tu penses que l'art peut changer le monde? Bah oui. Est-ce que tu penses que l'art peut changer le monde?
Ben oui. Est-ce que tu penses que l'art peut changer le monde? Ben oui.